Hey, yo le potentiel Isuki, j'espère que vous allez bien de ma part, ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui et on est un petit peu pressé parce que on va faire un petit coriandre et ça va être pour l'event d'Ankama. Donc ils ont dit que si on fait le coriandre dans le week-end, eh bien on va bénéficier d'un petit bouclier un petit peu plus tard. On va voir un petit peu le bouclier à quoi il va apparaître, mais en tout cas là on va faire le donjon, on va faire ce qu'il faut faire. Et là, pour vous dire, j'ai écrit un petit peu n'importe quoi pour vous montrer l'heure. Là, il reste exactement 47 minutes pour la fin de l'event. Et donc, je dois faire ce coriandre vite fait, en mode rapidos, tu vois, pour histoire de bénéficier du cadeau. Sinon, on va rien bénéficier du tout. Et donc là, du coup, j'ai mis un petit peu des piqûres juste pour le fun, parce que j'ai envie de mettre ceci là. Et le but serait de faire ce psychoriandre à la vitesse maximum. Je vais essayer de tout donner. Je me suis jamais défié de jouer extrêmement vite. Là par contre, la connexion qui est un petit peu conne, mais on va essayer de faire de notre mieux. La connexion qui est un petit peu conne. Bref, la connexion qui est un petit peu lente, mais voilà, on va essayer de faire ça en vitesse, hein. On va essayer de jouer, mon gars, à une vitesse maximum. On va essayer de dépasser l'éclair, hein. Franchement, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est 23h14, il reste plus que 46 minutes pour la fin de l'event. Je dois faire vite, sinon je suis un petit peu baisé, on va pas se mentir. Et là, j'ai même pas de pain, j'ai même pas pris de pain, puisque j'en ai pas, tout simplement. J'ai fait le donjon à l'arrache, et j'ai pas fait attention que j'ai pas de pain sur mon inventaire. Donc voilà. Voilà, les petits poteaux, le petit panda qui prend masse de dégâts, c'est pas trop grave. Ça, ce n'est pas trop grave. Alors, du coup, on va placer ça comme ça, et on va le vuner direct pour essayer de le bousiller. On va essayer de le bourriner, voilà, ça c'est dit. On va essayer de jouer vite fait, on va essayer de faire le petit focus tranquillement. Alors, Joker, allez, on joue vite. Allez, c'est parti les potos, hop, on fait ça, on retourne, on passe notre tour. Bon, je vais arrêter, je vais pas en abuser quand même. ok, donc juste ici, on va roxer avec, on s'en fout du retrait PM, on va juste roxer avec tout simplement. Zdef, ça fait plaisir. On se met un petit peu par là, hop, j'ai foiré le le succès, plutôt le challenge, mais c'est pas trop grave les potos, on va essayer de le zdeg quand même. Alors on va mettre le putsch. Tout ça, vous connaissez. Steph! Putain, 1400 mecs! Waouh! ça fait très très mal, hein. Franchement, ça fait vraiment mal. On s'en fout du retrait, on s'en fout de tout ce qui existe sur le jeu. Ce qui nous importe, c'est de rock. Waouh! 1300, mon gars! 1300, on va les deg en mode vite fait, hein. On va les deg en mode j'avais pas mis la distrib, c'était pas trop grave non plus, tu vois, on met ça et on passe. Là, il va se faire plaisir, il va me roxer apparemment. Ok, il a tué le... Ok, non, il a pas tué, heureusement pour moi. Là, si je l'ai touché, je serais mort à cause de du putsch, du hop. Heureusement que j'ai pas fait de conneries. Voilà. Là, Zdef, on fait ça et on se met par ici. On n'a pas le time, on a vraiment pas le time. Joker, allez Joker, déglingue-moi tout ça, on s'en fout, on s'en balèque. Non, putain, j'ai touché le mob. Waouh, mec. Attends, lui, il va jouer, ok, on est d'accord. Oui. Alors, après, c'est le Yop qui va jouer. On fait ça, ok. Le mec qui est pressé, qui fait de la merde. Là, si je perds aussi le bouclier, donc... Ok, le panda qui est mort, voilà.
au calme, comme ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il pourra bouger les autres alliés. Donc, on va se contenter de le tuer, sa mère. Voilà, ça c'est fait. En fait, le tout, rien, je l'ai mis ici. Il a touché ici le meuble qui est juste là. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, les potos. C'est comme ça. c'est vraiment comme ça. Voilà. On va faire avancer l'Enripsa, comme ça elle pourra taper et on va s'avancer vers là pour se booster. Ah, l'Enripsa qui va mettre très très cher au mob. Vas-y, avance-toi, mon petit coquin, mon petit coucou. Une petite maîtrise, un petit cac directement. ZDF 2000, 2000, 2000, 2000, qui dit mieux? Qui dit mieux, les potos, qui dit mieux? Je pensais que j'allais faire le donjon vite fait, en mode en 2 minutes quoi, mais là apparemment je suis dans la merde. On va pas se mentir que je suis un petit peu dans la merde. Ok. Ok. On met un petit peu des portails n'importe où. L'essentiel c'est de taper, de roxer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du roxer, mon pote. Voilà, ça c'est nickel. Une petite, voilà, un petit peu de dommage, ça fait toujours plaisir. Et là, juste ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Bah écoute, je sais pas trop, hein. Qu'est-ce que tu veux que tu dises? Je ne sais pas trop. Alors, apparemment, on peut se mettre ici et taper. Non, 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 sûrement pas. J'allais faire la même erreur et taper le meuble. Ah non, sûrement pas. Je vais pas refaire la même erreur. Je vais pas la refaire. Je vais pas le refaire. Donc là, du coup, les potos, on va essayer de. Non, mais mec, arrête. Tu sais quoi? Tu sais. Non, 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 non. J'allais tout foirer. J'allais tout foirer. Vraiment tout foirer. On va essayer de le sdef. Un petit coup en plus. Voilà. C'est nickel. Hein. C'est nickel. On tape un petit peu par ici. Soraka. Là, normalement, je le sdegdeg. Je le sdegdeg carrément. Voilà, voilà du grand rance pour notre ami Lenripsa. Ok, séducteur du coup, qu'est-ce que tu vas faire, mon ami séducteur? Bien, un petit cac par ici, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Un petit, voilà, 2 petits portails par là. Joker, on va essayer de, bah écoute, le yop, on s'en fout s'il est là. C'est un petit peu comme s'il n'est pas ici, donc voilà, fais-toi plaisir, costaud. Je précise que costaud c'était mon premier pseudo game, donc voilà. Ça me rappelle les beaux souvenirs de la nostalgie de Dofus, quoi. Ah, les gros dégâts. Ah, là, je suis mort avec le yop, mais c'est pas trop grave, mon pote! Allez, bye bye, yop! Bye bye, mon petit yop! Alors, là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit caca, hein, sur le mob, directement, sdef, on booste notre Ekaflip, on se booste. Un petit portail par là, un autre par ici, tu vois, et on se met par là, et on va le sdeg-deg. Regarde-moi ce Rox! Sdef! Ah, on est tour 4, c'est pas mal. Non, là on est tour 5, putain. J'aurais fait un record au calme, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas trop grave, hein. On va juste le sdegdeg comme ceci avant qu'il joue, sinon il va me faire très très mal. Donc, faut faire attention. Faut faire attention, vraiment attention. Et voilà, bœuf, ça digleg les poteaux, ça digleg. On va voir le nombre de minutes. 7 minutes! Putain! Putain! C'était vraiment très très rapide les potos. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste comme ça pour parler un petit peu, pour faire un petit peu de délire. Hein. Vous me connaissez de plus en plus. Donc voilà, je suis un petit fou. Un petit foufou va. Donc voilà, ça fait toujours plaisir les potos. Et donc là, du coup, eh bien on va pas se quitter là directement. On va voir. Ok, on est dans les 10 minutes. C'est pas trop grave. Je vais parler un petit peu.
de ce que je vais faire pour le moment. Et donc pour vous dire les potos, j'ai fait pour au niveau du nébuleux, j'ai fait en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois succès globales, on va dire. Donc il y a la zone Srambad, il y a la zone Enutrosor, il y a la zone Xelorium, et ensuite il y a les quêtes pour le oiseau du temps. Donc moi, où j'en suis actuellement, j'ai fait en fait les pour chaque dimension, j'ai fait les trois premiers succès. Et pour vous dire, il y a sur chaque dimension 5 succès. Moi j'ai fait 4, pas 3, j'ai fait 4 succès. Il me reste le dernier succès qui contient plus ou moins 5 quêtes sur chaque dimension, et donc ça va faire un petit peu dans 15 quêtes à faire pour les dimensions, et juste après ça on va faire le oiseau du temps pour obtenir le Dofus nébuleux. Donc j'ai pas mal, il me reste pas mal de quêtes à faire pour obtenir le petit Dofus des familles. Donc voilà, ça va venir de petit à petit. À chaque fois dans la description de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous mettre plutôt à combien de pourcentage je suis au niveau du Dofus nébuleux. Mais en tout cas, je vais pas up, vraiment pas up sans l'obtenir. Et là, je suis à 96% d'XP sur mon Unitroph. Heureusement que j'ai mis 90% pour la guilde, plus 90% pour le Muldo. Donc voilà. Ça c'était mon avancée au niveau du Dofus, et je tiens aussi à vous remercier énormément pour l'énorme retour sur la vidéo du Dofus nébuleux, puisque je l'ai mis en ligne aujourd'hui même où que je tourne cette vidéo. Merci énormément à vous pour votre retour. C'était la vidéo qui était vraiment la meilleure au niveau des retours. Merci à vous. En tout cas, le contenu était au rendez-vous. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe. Ciao.